Salut les Marlous, c'est Thibaut du 12. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e étape du Tour de France multijoueur communautaire 2017. L'étape entre Indre 3 et Saint-Georges. Oui, c'était une bug pourrie, oui, pardon, désolé. Une étape de sprint, donc l'étape entre. Je me rappelle même plus du. L'étape qui arrivait à 3. Avant n'a pas été enregistrée malheureusement, mais bon. On fera avec. Tant pis. Et donc pour cette étape, je suis en compagnie de Floxing. Salut Floxing. Crois qu'il est mute. C'est muté. Il dit salut dans le chat. C'est génial. Demi cacahuète. Salut. De Nautilus. Salut. D'un petit nouveau Paul Salut. de Slomi Salut salut. et du toujours là The Red Man. Salut. Sophière, ouais. Et bah évidemment, je viens de lancer le record et on n'est pas parti. C'est qui? Paul, c'est pas Paul le poulpe, hein. Voilà. Ouais, mais tes potes tous x4 pour lancer. Ah, bah c'est The World qui est toujours pas là, non? Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ah, si, il arrive. Ouais, c'est bon. Non, il y a juste quelqu'un qui a eu la bonne idée de me mettre en x4. Ah, oui. Et Z, c'est toujours là. Attaqué. Tous les jours m'ont échappé. Tous les jours. Chaque fois qu'il y a Floxing, Chavanel aussi. Que Claire. Monard. Non, non, moi c'est roulé pour bah, que parfait. J'attende pour qu'il y ait celui que je veux partir en échappé qui remonte. Ah ouais, pas aussi. Donc n'attaquez pas, attendez, attendez. Vous pouvez attendre, hein, de toute façon. Vous partirez aussi. Pas. Il y a Jack. Il est pas arrivé, le mien. Deux secondes, là, il y a 24 phares chrono qui remonte pour attaquer. Ne pas attaquer. Nouvelle tentative en tête de peloton. Ça y est, j'ai des coureurs lâchés. C'est bon, il est remonté, allez, on peut y aller. Et attaque de la lanterne rouge du tour. Ah, Olivier Logac. Qui ne fait absolument aucune différence. Ouais. C'est quoi ça? Mais c'est parce que ça suit encore à 99. Là. Ah bah c'est plus moi, hein, pour une fois. Là c'est fini pour le grec. Belle attaque. Belle attaque de le grec, c'est la fin de cette étape. Il va montrer le maillot. Il va montrer légèrement le maillot. Un peu sale, mais il l'aura montré. Mais là par contre, là c'est plus moi hein, qui roule. Bon, en fait, je vais te laisser partir parce que du coup ça attaque pour rien. Ah, Bauer vient de partir. Allez, pousse. Non, ça part pas. Et évidemment, il y a Naughty qui roule donc. Non, mais j'ai attaqué. Là, la Daniel avec Tony Martin qui roule, Jack Bauer. Ah, oh, merci, voilà. Oh un sérieux concurrent. Mais quel pour la victoire d'étape. La météo est vraiment affreuse aujourd'hui. Tu peux arrêter avec Jack. Bon, allez, on était parti pour faire une belle échappée, puis là, non. J'attends cette étape, on dirait que c'est celle de Vittel. On dirait que ça veut pas laisser partir. Hein. Et il pleut. Et c'est Lutsenko maintenant qui roule pour Floxing. Ils sont où les autres coureurs d'ailleurs? C'est ils sont derrière. Nicolas Roche, j'ai un Edja qui sont morts. Enfin, qui sont morts. C'est le moment pour partir. Ah non, en fait, non. Et Nicolas, ah, Backlandski qui a enfin réussi à partir. Et pourtant, on n'est pas à la planche des belles filles. Hein. Ah non, parce que derrière, non ça roule. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Ah, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ah non, Martin, non, Martin, il va rouler. L'autre, il est parti avec du coureur. Là, et... Martin qui roule. Il roule encore avec Contador. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et Alexar qui attaque avec 5 coureurs. Team attaque magnifiquement bien réalisé. Ouais. Ah, il attaque, ça y est. Attaque de Tony Martin. Ah, enfin. Un coureur de moins pour le train de trek. Oui, par contre, c'est un coureur de moins. Le train de trek, oui. Le train de Katusha. Ah, Zayt, il avait pas attaqué en fait. Ça faisait longtemps. Ça y est, il arrive. Merci Zayt, qui fait comme quoi derrière ça va revenir. T'es un champion Zayt, regarde, grâce à toi, tu fais comme quoi McCarthy attaque et du coup ça revient. Merci Zayt.
Et on dit merci Foxy. Bah toujours pas là. Bah là t'en as plus qu'un. T'en as zéro. Nicolas Roche en fait il est mort là. Plus 3. Bon évidemment je vais essayer de passer avec le geek mais c'est pas possible. Bon ce que je vais faire c'est que je vais mettre Van Avermaet à 65. Hein. Il c'est bon, il a 83 en plat. Ça me gêne pas. On va le reculer un peu. C'est concours de plat hein, aujourd'hui comme d'hab. C'est compliqué ce plat. Barre verte. Ça change du tour IRL. Oui, c'est que ça attaque c'est un kilomètre. Olivier le gars, attention. Et Olivier le gars qui attaque. Tellement puissant qu'en fait le peloton le suit. Et du coup, Calme Jeanne est repris. On a 63 km/h sur du plat. Voilà. On aura tout vu. 56 avec 1%. Moi je dis faut commencer à venir venir soutenir certains coureurs là qui. Et ouais, Olivier Le Gac. Tente de partir et qu'à chaque fois n'arrive pas. Je suis le son, qu'est-ce qu'il revient. Moi j'ai déjà fait attaquer. Il y a déjà des lâchés. Il y a déjà des lâchés. Et Fulsang. Qu'est-ce qu'il branle Fulsang il est mort. Moi j'ai 4 coureurs perdus. Hein. Ah, Fulsang. Fuglsang est lâché. Burghardt, oula, il y a toute l'équipe de Naughty aussi. Oui. Paul Jensky, Machka, Selig, oui. Burghardt. Personne, j'ai Leclerc qui est déjà en Moi, j'ai des backlands. Ah, t'as vu Jura Sagan. Oh mon dieu, quelle étape. Bah, dis donc. Sagan est mort. Attends, y'a qui qui a attaqué. Elle voulait couper le truc. Bonnard a attaqué plein de fois. Ouais. Sagan a attaqué. Stop, rien attaqué. McCarthy a attaqué. Il est mort, McCarthy. Il se reste encore des coureurs. Non, non. Avec ça, il est pas très joué, hein. Avec ça, c'est une machine. C'est ah, passé. Oula, il y a des Gencob. Ah, mais il y avait des Gencob, mais il est con. Ah oui. C'est parti pour Nicolas Roche qui va reprendre les deux devant parce que c'est un gros connard. Non, c'est surtout parce qu'il y a Zeiss qui veut attaquer. Regardez. Donc, d'accord, c'est Zeiss. Hein. Bien sûr. Et laisse partir Sagan, merde. Et c'est la première fois, c'est je vrai. Pense. Ce sera la première fois. Cette année, que c'est mon coureur le mieux pour partir en échappée, donc pour ça je crois. Non, mais, oh. Par contre, juste Lomi, tu t'arrêtes de pas d'envoyer tes leaders en échappée. Mais on s'en branle, de toute manière ça compte pas, et genre les autres ils sont en forme négative, qu'est-ce que je veux que je fasse. Allez, tiens, ça rame aujourd'hui. Ça rame. Mais là, ma seule chance d'attaquer, c'est de sortir avec Gilbert. Et du coup, Hansen qui attaque derrière, mais le peloton suit. Ah, oh, Mollema. On arrive au milieu. Ah, ça y est. Hansen est mort. Et ça sort. Ouais, Hansen est mort. On peut sortir. Mollard au sprint. Mais bon. T'inquiète pas, porte attaque. Suivi de Martin qui roule. Mais c'est quoi, c'est. Mais arrêtez d'attaquer! Mais ça va mourir! Hein. Mais c'est Daniel! Si on continue comme ça, il va y avoir l'étape en intégralité! Mais c'est Hansen le relou et puis. Bienvenue sur France Télévisions, étape en intégralité ce soir! Alors qu'on. Mais il y a encore de moins de 30 secondes! J'ai vraiment un favori pour cette étape de sprint, donc on ne laisse pas partir! C'est normal. Les Crazy Girls qui essayent de partir là. Je trouve aussi Mollema, grand favori. Ah bah allez, adieu Jura Sagan, c'est bon. Il est déjà mort. Et ça fait déjà le 6ème cours de la Boraille, je suis pas sûr. Et Tony Martin qui roule derrière. Merde. Attends, la Boraille, ils ont déjà perdu 4 coureurs sur des attaques. Oui. Il fait chier avec son Tony Martin, lui, il veut faire quoi là, avec son Martin. Ouais. Même dans le peloton, il roule pour Christophe. C'est une bonne idée. Ah, même enfin. Même dans le peloton, les gars, ils ont plus de barre jaune. Ouais, mais moi, c'est pareil. Ah si, moi, Van Avermaet, il est super bien. Oui, Nasser. Anthony Martin a fini son job. Mollema est parti. Je presque. Mais attendez, Rich. Nouvelle attaque en tête de la course. Ouais, c'est bon, ça part. Ça a l'air de partir, enfin. Ouais, je suis parti avec Porte. Vas-y, viens, moi. Non, mais ça, par contre, les écarts ne comptent pas, hein, je te préviens. Ah, bonne marque. J'en bonne ai marre. Rien à foutre. Si Frico il dit que ça compte, je le baiserai. Bonne marque qui part, c'était le dernier coureur de la. Encore vivant. Non, en vrai, je te jure, je crois que c'est le dernier de la coureur de la Bora qui était.
Non, j'ai encore Sagan et Marc Cassartino au peloton. Ouais, mais ils avaient attaqué les deux, du coup, ils étaient pas non plus super bien. Et il y en a encore deux qui viennent de partir. Non, mais t'es sérieux, attaquer avec deux. Oh non, mais Lutsenko, il va encore nous tuer. Lutsenko is ace. Là, par contre, là, ils veulent pas. Neve ne veut pas, la Sky ne veut pas. Mais il part avec deux. Ça y est, il y a trop d'échappés là. Ça suffit. Zeiss partira pas. On a rien à foutre. Par contre, entendez-moi avec bonne main. Non, arrête. Non, c'est fini. Floxing, c'est fini. C'est fini. C'est fini, Floxing. It's over. Et voilà, enfin, après. Bon, évidemment, ça marche plus. Après 80 km quasiment, enfin, l'échappée est partie. Donc, ils sont donc 6, peut-être 7. Mollema, Sicard, Kreuziger, Sabatini, Porte, Villermo et peut-être Bonnard. Donc, on se retrouve à 40 km. Non, tu partiras pas en échappée, putain. De l'arrivée. Et on est de retour. Pour partir en échappée, hein, moi je dis. Et on est de retour à 30 km de l'arrivée. Et comme vous pouvez le voir, l'échappée n'a pas fait long feu. Elle a même pas eu lieu du tout. Oui, mais. Olivier Le Gac a essayé de prendre l'échappée, mais. Voilà. Et je suis là. Avec Kremer et Durasek, c'était pas bon. Sauf que je me retape la présentation de l'étape alors qu'il n'y a pas de coureur sur la ligne. Six kilomètres de l'arrivée. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. On prépare le sprint. Putain, c'est quoi ça? J'ai préparé depuis le début d'étape. Hein. Ça lag. Non, ça va. Ah non, pas chez moi. Voilà, mon train est revenu. Bah moi, mon train, il a pas lieu du tout parce que petit peut pas remonter. De toute façon, c'est pas peine de faire des trop gros trains. Hein. On a vu que comment ça finissait. Moi, je fais même pas de train, c'est mort. On va même pas tenter. Chez moi, petit peut pas remonter. Regarde Kittel, il vient de se prendre un méchant bloc, là. Kittel, oui. Il est passé derrière GVA. Putain, je lag trop. En fait, ouais, non, avec GVA, au niveau de la barre, je pense que je tenterai un solo. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Oh, il s'est encore fait casser, c'est pas possible. Exactement, non, ça va, quand même. Derrière là, avec 64 poids, elle va compter celle-là. Il semble qu'il y aura une belle chute, je sais pas pourquoi. C'est éclaircirait un peu le truc, par contre. C'est éclaircirait. Mais bon, il y en a la moitié, ils vont être en PLS parce qu'ils vont perdre leur poids. Le tempo s'est ralenti. Oh putain, c'est pour lui. Oh là, si mon son d'attaque qui sort son train d'un coup là. Moi j'aimerais bien sortir mon train, mais encore faudrait-il qu'il se reforme. Ouais, moi aussi. Jesse Molay et. Et des marques qui sont loin. Alors que le peloton se rapproche de l'arrivée, tout le monde semble être d'accord pour que l'étape se dispute au sprint. La machine de Konovalova se va partir. Bon. Konovalova qui va gagner les points en pleine et en résistance. Moi je joue tout sur McCarthy là, il prend, il suce les roues. Chaud. Putain. Bon, ouais, je sais pas si j'aurai assez d'énergie. Bordel. Non, pourquoi il est sorti de la roue? Il y a des coureurs, ils se sont arrêtés. Bon, bravo. C'est Christophe qui va gagner. Ah non, peut-être Groenewegen. Groenewegen, Impé, Greipel. Une paix. Non mais lol, c'est pas possible ça. Guarnieri qui fait encore 7, putain. GVA, j'étais trop bien placé. Étape de merde. C'est juste pas possible quoi. Trop de monde, trop impossible de passer. Mais j'avais une roue et j'ai perdu ma roue. T'avais qu'à prendre la roue. Ah, mais moi j'avais pas de roue avec GVA. En fait, j'avais la roue de Swift.
Et ça s'est désactivé. Alors les délais, c'est 37 minutes. Ouais. Délai 37 minutes. Et Buckman, il y a 36-23. Oh bah tant pis. Hein. J'espère. Oh là là, je suis nul en sprint. J'arrivais pas à sortir mon train, pourtant Gilbert il était à 99 pour extraire le. Moi j'étais à 85, j'étais à 90, j'étais à l'avant avec GVR. Et attaque de Le Gec. Mais j'ai sprinté beaucoup trop tôt, j'ai sprinté à 2 km. Moi j'ai rien pu faire. En fait, je pensais que ça allait bloquer, comme d'hab. Ma coup était trop merdique, j'ai rien pu faire. Moi j'étais complètement bloqué. Kittel il est même pas dans le top 20. Gilbert il est 12ème alors qu'il a passé. Pour Manordel. Démarre et pas dans les 20 avec son top avec son plus 5. Hein. Ouais, il est 23. Il s'est fait enfermer et Simolay il a fait n'importe quoi. Putain, il est 21. Arrête de faire des trains, tu vois bien que c'est tout le temps ton poisson pile coureur. Tu mets ton coureur qui. Tu mets ton leader, tu le mets poisson pilote. Je crois que c'est ce que je vais faire bientôt. Alors Buckman. Buckman, ah, et Buckman va être hors délai. C'est dommage. C'est dommage pour nous. Ah, mais j'aurai encore demain, non? Non. Non mais c'est, sur, c'est par rapport à IRL qu'on... Oui c'est ça par rapport à IRL. Non mais on verra, mais Frico s'il fait son général, il peut peut-être l'enlever hein, si fort délai. Mais non, mais on va enlever leur délai, surtout sur le plat. Ouais. 40 minutes, c'est dommage. Valgren va pas être loin non plus de pas passer. Valgren il va peut-être pas passer. Eh Valgren ça va être short aussi. Valgren. Sans je jouais le maillot à poids avec les coureurs. Valgren. Non, ça c'est pas joué à grand chose, mais c'est mort. De toute façon, en plus, la ligne, vu qu'elle est décalée de 100 mètres, la ligne, donc non. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais, 3 secondes. Non, je dirais une minute. Un peu moins. Et une P qui. On voit Kittel qui ne sprint pas Kittel, Gilbert qui sprint à 30 mètres de la ligne. Et d'ailleurs, que faisait Kittel? Il est où? Kittel, il s'est mis à sprinter 2h trop tard. Puis en plus, il était tout enfermé. Il était juste devant des mains en fait. Putain, la seule. Oh, ça va, je suis dans le peloton avec porte. Alors, les résultats. On a dit qu'on prenait pas les temps. Ah bon? Je sais pas. De toute façon, oh. Haru, Contador, Latour, Froome, tout ça, c'est tout à 1 minute 21. Et yes. Puis nous aussi, je crois. Yes! Ouais, Bichoulian, Dan Martin comme... aussi. Bardet, allez, Bardet à 1h. Non. Bardet à 1h21 aussi. Yes! Ouais, Bugman ça et ça prend pas, normalement. En fait, oui, en fait. Du coup, normalement, je suis toujours deuxième. Donc, la victoire de Frico devant The World, Daniel. Guarnieri 7, Van Hermann 10. Lutsenko 11, quand même, joli. Gilbert 12. Pourquoi pas? Je suis dernier parce que mon meilleur coureur, c'est Chabal. Slomi fait 18. Daniel, 1. Bon, moi, j'y vais. Salut. Salut. Et Paul, ouais, Chavanel. Et Petit, il a pas tenu. Petit, il a eu des problèmes. Non, mais Petit, ouais, en fait, il était en chasse-patate pendant presque les 100 derniers kilomètres. J'ai un seul coureur dans le premier groupe. Paul a été à l'arrière, en fait, et il s'est fait complètement bloquer. Ouais, direct. Ouais, Adrien Petit, ouais, il finit 1 minute 21. Ouais. D'un coup, il l'a mis dans la route Sicard qui était en train d'aller chercher les bidons, du coup, j'ai rien pu faire. Ah bah ouais. Cette année, j'ai gagné une étape. En plus, avec GVA sur un sprint, j'ai réussi mon année. Donc, résultat, demain, ça sera Groenewegen qui va gagner. Oui. Pourquoi pas, après tout. Vu que la fois où. Oh non, c'était peut-être Christophe, pardon. Christophe qui va gagner parce que pour l'arrivée à Vittel, Démarre avait fait 3. Mmh. En sachant que pour l'instant, on est à 0 pointé. Au niveau des victoires, oui. Par rapport à IRL. Je pense qu'on va rester parce qu'avec Impe. Et on va. De toute façon, là, hier c'était pas avec je sais pas c'est qui a gagné, mais avec votre échappé. Là. C'était Brambilla. Hier c'est Brambilla. C'était pas avec ça qu'on allait avoir juste encore. Non.
Hier, c'est Brambilla devant. On n'aura jamais juste. Enfin, sur le sprint, par de toute contre, façon, on n'aura par contre, jamais c'était la bonne équipe. Je sais, oui, par contre, je crois que c'est la première fois que ça arrive, la bonne équipe. Ce qui est quand même pas mal. Bon, bah, nous, on se retrouve demain pour la deuxième étape accidentée. Enfin, la troisième étape accidentée, si on compte celle du Liège. De Longwy, pardon. Longwy, mais bon. Ouais, j'y serai à domicile. Donc, l'arrivée à. Au Rousse. Au Rousse. Oui. Et là, ça va être notre paire de manches, on va dire. Ce sera un peu moins random, disons. Ouais. C'est pas sûr. Parce que je me souviens, en 2015, on avait fait l'étape de l'Alpe d'Huez. Ouais. C'était du grand n'importe quoi. Ouais, mais c'est qu'on est trop. C'est quand on est 13, 15. Surtout quand il y a Daniel. Oui, ouais, il veut pas Daniel. Daniel, il joue comme un noob et il finit 3. D'accord. Ça me rappelle, c'est qui déjà la planche des belles filles qui a fini 2 avec Quintana? C'était pas Anif ou je sais pas quoi. Oh non, ouais, un mec, un random qui nous. Non, Quintana il était loin sur la planche des belles filles. Hein. Non, il fait 2. Il a fini 2. Il finit 2, mais il avait bien accéléré. Ouais. Et il y avait Froome qui avait bien fait. D'ailleurs, c'est notre vidéo la plus vue sur le Tour de France. Enfin, c'est lui, il avait 200 vues. Et Froome et Zayt qui sont complètement keblo à l'arrivée là. 350. Ah oui. Bon, c'est loin de mes 23 000 vues, je crois, que j'ai dû faire en 2011. Mais c'est pas mal déjà. Je sais, la vidéo est pourrie. C'est de 23 000 vues. C'est digne d'un vulgaire Styros. Arrête, il y a des embrouilles en ce moment avec Styros. Bon, c'est pour ça que je dis ça. Il m'a bloqué sur Twitter, sur son serve et sur Discord. Ah, toi aussi, il t'a bloqué? Ah, il t'a bloqué, toi? Non. Non, en fait, il avait bloqué. Sur Twitter, tu vois, genre, je prenais tout. Et à un moment, il dit, tu sais, il avait mis une photo, ils avaient tous partagé une photo d'une pote à Tutur et tout. Il fait, oui, on avait droit et tout, Tutur a donné l'autorisation. Moi, je suis arrivé, j'ai fait, oui, mais Tutur, c'est pas la pote à Tutur. Il a ragé, il m'a bloqué. Ah là là, c'est beau. C'est beau prendre le melon comme ça. Mmh. Oui, là, il a pris complètement le melon et il a complètement explosé. Surtout juste pour 25 000 vues. Ouais, malheureusement, c'est un peu le cas des youtubeurs sur PC. Hein. Enfin, c'est vrai, t'as que 25 000 vues. Ça sert à rien, quoi. Et si t'es en PLS juste pendant le tour, c'est débile. Enfin bon. Donc sur ce, on se retrouve. Tyros, Nassim, tout ça. Donc sur ce, on se retrouve demain. Ouais. Pour la huitième étape pour l'arrivée au Rousse. Et ce n'est... on ne parle pas de Marion. Parce que je sentais qu'il y en avait un qui allait le faire et puis voilà. J'ai essayé de la faire, sauf que j'avais oublié d'activer mon micro. Donc... Dommage. Allez, ciao tout le monde et à demain.